Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et je ne suis pas seul, hein, comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie de Boustache. Comment tu vas, Boustache? Bah écoute, ça va très bien. Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aussi. Et aujourd'hui, on est là pour casser la gueule à Kawhi. Et c'est tout. Non. Voilà. Non. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite du Dokkan Link Challenge. Le premier épisode est sur la chaîne de Boustache. N'hésitez pas à consulter ça via le lien dans la description ou dans le bouton i en haut à droite. Et donc aujourd'hui, deuxième épisode. Hein, pour savoir qui a gagné le premier, bah, il faut aller le voir. Et donc, je rappelle le concept du Dokkan Link Challenge. Donc, Boustache va nous tirer chacun trois liens. Il va falloir composer une team de deux personnages par lien, donc forcément 3 fois 2, 6, T'es dédicace à fort, dis toute donc. Sadri. Donc, donc voilà, hein, 3 liens, 2 personnages pour chacun des 3 liens, on peut retirer un lien, et avec la team qu'on pourra composer grâce à nos fabuleuses cellules, hein, nos fabuleuses neurones, hein, fabuleux neurones, parce que c'est vrai que c'est masculin, attention, hein, on va pouvoir ensuite aller s'affronter dans la finale du combat de Dokkan Effréné, mode de jeu complètement oublié et désuet aujourd'hui. Il ne sert qu'à ce mode de jeu de Dokkan Link Challenge, donc nous irons nous affronter dessus. Est-ce que je... Ça va, tu aimes bien ma présentation, Boustache, ça Ouais, ça va très bien. Juste, tu m'as même embrouillé moi-même, donc je sais va? pas si ils ont compris, Ah bah, mais ça va tranquillement. Ils vont je pense comprendre que de c'est toute clair, je pense que ça va. façon. Ils vont comprendre au fur et à mesure, tranquille. Voilà. Bah écoute, je te propose de lancer les liens tout de suite. Vas-y, bah écoute, Allez, j'écoute. let's go. Ouh, ah non, Je mais vois des non, choses intéressantes et moins mais intéressantes pour moi. non, mais non, mais non. Bon. On va commencer par moi, vu que la dernière fois on a C'est commencé par vrai. toi. Cruauté spatiale, du coup je retombe dessus. Très bon lien, très bon lien. Après on a Oui. combo. Alors combo c'est un des liens les plus éclatés du jeu les gars. Y a Buta dedans, je crois, C'est... avec Ouais, il y a Jizz. Buta et Jizz, c'est tout. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a que, en fait. Buta et Jizz et champion du monde. Champion du monde, faut que je voie, je sais même plus où C'est est-ce qu'il en. Satan, Satan Videl et compagnie. Donc ouais, ça augure pas de très bonnes choses. Et toi de ton côté, du coup, t'as Savant, Majin et Super Saiyan. T'as trois bons liens en vrai parce que Savant, il y a Towa dedans, il y a Bulma, il y a pas mal de trucs bien. Majin, bon bah t'as tous les bouts. Et Super Saiyan, ouais bon vas-y laisse tomber en fait, c'est Bah, mort. Super Saiyan, c'est super fort. Le Je problème, vais me c'est que faire bon, exploser. mais mine de rien, non, mais mine de rien, on dit que ce sont des bons liens. Le problème, c'est que les personnages dans les trois liens concordent pas. Ouais, Peut-être bon attends, Pete. je relance combo moi Ouais, parce que. relance combo. Pouvoir d'un Oh, pouvoir dieu. d'un dieu, hein. Ah Ça. ouais, cruauté spatiale après. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Moi, je Ouais, suis faut partant pour voir. relancer Savant. T'es sûr que tu veux pas relancer Super Saiyan? Non, non, ça, moi ça va, je T'es relance sûr? Savant. Ah non, je suis sûr, on va relancer Savant. Guerrier Ok, suprême, ça va. yes. On a quelque chose de bon. Non, mais on a quelque chose qui va bien Ah fonctionner, ouais? je pense. Ouais, je suis Bon. confiant. Du coup, on fait disparaître le site. Hop. Ok. Et on va aller sur le Dokkan Effréné faire nos petites équipes. Ah, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Guerrier Suprême. Et d'ailleurs, vous pouvez jouer Oui. aussi. Hein. Je pense que Koa mettra le lien dans la description Bien du sûr. site. Bien sûr. C'est 20 euros la minute. Tu imagines Ouais. le gros escroc, genre. Non, C'est bien sûr, c'est 20 euros totalement la gratuit. minute, hein. N'hésitez Hein. pas. Ouais, je sais ce que je vais jouer en fait. C'est assez évident Et pour hop, que bah. donc. Champion du monde, on va commencer par ça. Hein. Champion du monde. Ah oui, je suis pas débile, on va Mais je te jouer. jure, la match de l'Akatsuki, je l'aime trop. Ils ont fait la meilleure match du Ouais, monde, j'avoue là. que pour le Dokkan Link Challenge, le truc des liens, ça va être de ouf, hein, on va pas se cacher. Hein. C'était trop chiant avant. D'accord, Y a bon. pas Majoub? Non, je croyais qu'il y avait Majoub, bon tant pis. Tu me crois, il n'y a même pas Satan et l'air dans Champion du monde? Ah ouais? Ah oui, c'est Ouais. vrai. Non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Punaise. Moi, je ne sais pas non plus pourquoi. Cruauté spatiale. Ah bah oui, mais il y a Majou, mais le puits, quoi. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait le LR dans ce lien. Mais non. Ah bon? Il a pas Majin. Bon, c'est pas grave. Waouh, le À mon avis, choix que j'ai je pas dois mis en Super faire. Saiyan. Super Saiyan. Ouh, j'ai une idée. J'ai une Oh, c'est idée. compliqué, les gars. C'est J'ai une idée, mais compliqué. Hein. c'est à double tranchant. Bon, on va faire ça, on va voir après. J'ai une Et idée, le mais dernier, ça. c'est le pouvoir d'un dieu. Mais le pouvoir d'un dieu, c'est que des super. J'ai une idée, mais c'est à double tranche. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non, je vais pas le faire. C'est pas une bonne idée. Je vais plutôt regarder si j'ai pas mieux comme leader à jouer.
Ah ouais, c'est particulier de ouf. Hein. Ils sont saga de boue, les boues. Ah putain, ça fait mal. C'est un lien de fou, mais. Oh puissance max. Peut-être qu'il y a des boues en puissance max, tiens. Oh là là, comment ça me fait mal au cœur. Il faut que j'aille en puissance maximale assez rapidement. Ah, quoique, je peux faire. Il est aux puissances maximales, voilà. Peut-être avec le. Là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tenter. Là, j'ai une idée, mais ça peut être c'est chaud. Ouais, bon. En vrai, c'est mieux que rien. Ouais. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est très, sur Broly. Très compliqué. On va retourner deux secondes sur. Sur Creux Espacial. Boss des films, oui, boss des films. Parce qu'en vrai, ce sont deux très bons liens, mais ça match pas du tout. Ouais, c'est compliqué de faire matcher tout ça. Hein. Boss des films, puissance maximale. En Super Saiyan, on a du lourd, mais il faut quelque chose qui tape assez rapidement. Vegeta Evo. Je pourrais même jouer après, Broly, de mais... côté, j'aurais Broly. Ah, Vegeta Evo, c'est mieux, c'est une meilleure solution, Vegeta Evo. Derrière, pour le lien... Pour le lien, on va quand même jouer quelqu'un qui est dans la catégorie. Après, est-ce qu'il faut pas oublier, on a un combat d'Okan effréné. Bah ouais. Donc le truc, c'est les à amis. Savoir que les leaders, les gars, il n'y a que les Gotchier et en Neo, il y a le Goku SSJ4 et le Vegeta SSJ4. Ouais. Arbre pas monté, Spedis. C'est compliqué. Donc voilà, voilà. Non, faut que je joue full extrême en fait. Ok, je prends le risque. J'ai une idée, après, mais. Il a pas de double leader. Lui. C'est un peu chaud, mais ça se joue. Tant pis, Vegeta Evo, je vais prendre Broly LR. Je suis trop dégoûté en vrai. Bon, ça se joue, hein. C'est largement jouable parce que je vais jouer, mais je suis trop dégoûté. J'ai une bonne idée là, j'ai une bête d'idée là. C'est au niveau des leaders en fait que je suis dégoûté. Ouais, bah moi je suis aussi dégoûté, je vais devoir tenter quelque chose un peu mystique là, mais. À mon avis, il y a les hommes et les omelettes, comme disait un grand homme. Que tu connais certainement. Tu as dû reconnaître. Tu as dû reconnaître. Non, j'ai pas de cam, il aurait bien fait flotteur là. Je me retape ces cam et Sénine des morts là. Je sais pas ce qu'il c'est me bon, veut. J'ai matché moi. Moi j'y arrive. Moi j'y arrive. Non, on va jouer ça, cette sous-merde là. Et puis bon, quitte à jouer de la merde, on va mettre Kame Seni, au moins c'est pas de la merde. Lui. Et puis on va jouer notre rotation sur. Ouais, je sais comment je vais jouer mes rotas. Et puis je vais partir sur un lead extrême. Ouais, bah. J'ai une idée, hein. Ouais, bon, après, t'es pas le plus mal loti, Super Saiyan, t'as juste tous les leaders du jeu, en fait. Oui, mais tu sais, je pense que vu le premier épisode, tu ne peux être que bien placé pour savoir qu'il y a une seule carte, ça le fait pas. Ouais, mais là, t'en as pas qu'une. Super Saiyan, Guerrier Suprême. J'en ai deux. Waouh! Non, mais en vrai, là, c'est bon, j'ai réussi à négocier 3-4 cartes intéressantes, donc ça va. Ah oui! Aïe. J'ai négocié un truc, je pense que t'as capté ma strat. Tu sais sur lequel des trois je vais partir. Hein. Ok, bah, je vais vous présenter ma team. Moi, pour le lien champion du monde, j'ai pris du coup Satan Int et Goku du TB. Pour le lien cruauté spatiale, donc, j'ai pris le couleur Int qui lead à 120% le type extrême Int et à 50% le type super Int. Pour le lien, c'est. Le pouvoir d'un dieu, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. J'ai pris donc le Végéto Super Saiyan et la Kefla. Et en ami leader, bah, j'ai pris ce Broly N que je n'ai pas envie de voir, qui n'est pas monté. Et qui va me poser problème. Bon, donc voilà. Bon, pour ma part, hein, grâce au lien Super Saiyan, je suis pas mal loti en leader parce que je vais jouer le légendaire Broly Endurance DBS. Hein, qui lit, je rappelle, la catégorie boss des films à hauteur de 170% attaque et 150% PV def. Accessoirement, c'est aussi attaque plus 170% de la catégorie puissance max. Ça raconte pas ta vie. Et PV plus 130%. Hein, de doublant, voilà. Du coup, je peux également jouer Broly LR, hein, qui va à carnage. Très très bon dégâts. Pour le lien Magine, j'ai joué du coup Fatbou puissance qui rentre en puissance max, qui est également un carnage.
qui va nuquer avec l'équipuissance, qui d'ailleurs il change, hein, avec l'intelligence d'équipuissance. Kid Buen n'est pas dans aucune des catégories, mais il va buff, hein, 50%, je rappelle, et puis si on est en dessous des 80%, il va buff de 30%, donc c'est déjà pas mal. Et puis, pour la pour le lien guerrier poubelle, on a du coup Hit Intelligence, hein, qui va tenter de stun ton Yakmal. Oh, parle bien de Hit, toi, il est fou. Oh, parle bien de Hit. Waouh, attention, regarde, attention, regarde. Il tourdit rarement. Grande chance d'étourdir à Dagen. Il a une capacité cachée, il est tué sur Tokidobashi, oui, et il stun le boss pendant 10 oui, tours. Oui, oui, oui. Encore, il y avait le Hit Tech, j'aurais été content. Non, il y a le Hit Intelligence que j'ai même pas de can. Et puis, on va jouer Mutaito. Bon, pas Mutaito Kamesteni. Je sais pas pourquoi je l'appelle Mutaito. C'est un titre que j'ai. Bon, ici, le problème, c'est qu'il a aucun lead, mais il est pas mal défensivement parlant. Voilà. C'est tout ce qu'il a. Et puis, on a mis leader. On va jouer Rosé parce qu'il faut que j'ai du lead sur Broly. Mais aussi le deuxième Broly et pas de boue parce que sinon ça va pas le faire. Putain, tu vas clean trop vite avec ça en vrai. Bah, je sais ce que je sais où je vais aller dans les trois events parce qu'on va là. Bon, bah écoute, on se retrouve devant le boss. On se retrouve devant le boss que bon, vous le savez, dans le combat d'Oken et Freiné, j'ai mes deux Rota. On affronte d'abord Gogeta puis. Puis on affronte Black. Vous choisissez entre Black Jubai ou Cell. Et puis on affronte Trunks, Ikari, Intelligence. Moi je sais où je vais aller hein, vu que j'ai Masse Carnage. Ah, ouais, je vois où ça veut aller avec Marota. Bah, quand tu es prêt, je vais lancer le décompte. Ah ouais, non, mais c'est de la triche aussi. Je sais comment ça va se passer, moi, personnellement. C'est de la triche. Bah, tu me dis quand tu es prêt, moi, on peut y aller. Attends, je réfléchis. Réfléchis à ton aise, moi, ça va, moi, je sais ce que je fais. Vas-y, allez, 3, 2 1, go. Let's go. Voilà, donc je fais partir Broly en carnage, hein, il va tuer les deux, sans aucun problème. Alors, moi, je sirote mon verre de coca. Donc Sakefla fait une double attaque normale. Voilà. Hop. Voilà, tu sors. Oh là là, le contre. Et voilà. Toi, tu rigoles, mais on a mis à peu près le même temps en vrai. Oui. Oui. Bah là, je vais faire ça. Je vais quand même faire partir lui en souhait parce que je suis pas sûr qu'il clean. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Je suis pas sûr qu'il le tue, hein. Ah, j'aurais dû par chance. Non, quoique, non, Evoli, moi, ça va. L'autre, il a contre-type. Ouais, il le tue pas, Evoli. Il a contre-type. Moi, contre-type. Moi, mes persos, tu sais pas comment on m'appelle dans le milieu, on m'appelle critique, moi. Oui, vas-y, couleur. Ouais. Et voilà, non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je rêve. Allez, je qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'avais mais dit je quoi? Je rêve. Qu'est-ce que je dis? Mais je rêve. Il méritait pas de crit. Et puis voilà, une affaire rondement menée. Bon, je sais où une je vais aller. Une affaire rondement menée. Il peut y aller, j'ai pas peur. Je sais où je vais avec aller. Avec ton Broly là, ton Broly qui a une spé qui dure 20 piges là. Certes, mais moi je sais où je vais affronter mon cher Anicel Puy. J'espère il se cogne le doigt de pied contre le robot. Il a pas la haine, hein, non. Après moi j'ai Fadbou du coup, hein, gentiment. Mais Fadbou. Ouais, je pars pas en spé. Ah, mais voilà, ouais, mais Fadbou il est heureux dans la vie. Il va ah carnage. Ouais. Donc on est heureux. Vas-y, double SP Kefla. Oh, double SP incroyable. Donc Kefla, à 314 elle a une SP de 20 ans. Moi j'encaisse les coups. En vrai, je parle, mais Fatbou il a une SP aussi de 55 ans. Oh, pas non plus. Voilà. Moi qui pensais que c'était 52. Oh le stun. Oh le double stun. Pourquoi ça stun jamais en SBR, tiens? Bizarre ça. Ça stun sur les SL juniors. Non, hein. Non mais moi je parle pas avec les gens qui trichent déjà. Ah oui, là là. Je sais que c'est un complot de toi et Cass qui fait que t'as des bons liens quand oui, tu. Oui, j'ai demandé de modifier l'algorithme. C'est vrai que j'ai toujours eu des bons liens avec toi. Hein. C'est vrai, hein. J'ai toujours eu des putains de liens avec toi, même. Ça c'est fou. J'aime bien. Putain, j'aurais bien aimé que ça se pète one shot là. Oui, bah, one shot. Oui, on est en. J'ai combien de leads déjà? Ah oui, voilà. Je pense que t'as une idée de s'il allait one shot ou pas. Tu parles mal, hein. Ouais. J'espère qu'il va te one shot. Oui, celle lui va one shot. Regarde, je récupère toute ma barre de PV avec Fadbou. Hein. Allez, Fadbou, on y va. Je pense qu'il va. Je sais pas s'il kill en vrai Fadbou, hein. Je suis pas certain. Je suis pas. J'espère pas. Ouais, il skill pas, hein, je me disais bien. Par contre, si Broly crit, il a. Il est non, c'est tout belle. C'est moi qui critique, c'est pas toi. Allez, déjà, crit. D'accord. S'il te plaît, non. Chier. Et puis il y a Rosé à mettre 45 ans, là, quelle perte de temps. Ça va, lui, il est toujours sur. Et sur quoi le Super Saiyan? Allez.
Sur Super Saiyan, il croit, il peut faire le match. Oh, le critique, le Kefla, plus jamais j'ai insulté Kefla. Plus jamais j'ai insulté Kefla. Là j'ai failli, j'ai bugué dans ma tête là, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai bugué dans ma tête. Tu bugues souvent dans ta tête, non? Allez hop. Ah oui, il avait stun, c'est vrai. Attention, j'ai stun un boss en 2002. Mais moi je me prends toujours l'attaque du Goku Blue. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein, non, mais t'es sérieux, t'as déjà fini? Bah oui, bah j'ai ah pris ouais, celle-là. Mais t'as un carnage phase. Aussi. Tu vois, c'est ça le truc. Bon, c'est il a bien joué. Il a profité du fait que dans le mode de jeu, en fait, il y a le sel. Ah bah oui, du moi, coup, je... Il... moi je calcule. Du moi, coup, si t'as un carnage, on m'appelle calculator. On m'appelle pas comme ça du tout. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Moi, je on t'appelle Survivor avec ton bunker. t'es... Moi, je tourne, tu sais, dans les émissions sur National Geographic HD, là, tu sais, les gens, ils sont les survivalistes, là. Les émissions de survivalistes, là. Oui, ah, donc, je te jure, un jour, il y a la Troisième Guerre mondiale, la première chose que je fais, c'est que je prends un ticket pour aller en Belgique. Bah, il peut, viens, moi, je suis t'accueille. Tu vas arriver chez toi, on va être tous les deux dans le... Je vais te virer du bunker, je vais louer la place. Ah oh, oui, sympa, le mec. Ça non, peut se revendre. Sur Juba, je tue le Trunkstack. Ouais, une deuxième spé, c'est fini. Allez, ouais. Il arrive, arrive. On apprend bon. Quoi après le puits? Ah, je suis à contre-type, ça me casse les couilles. J'ai un mauvais agencement sur mes rotas. Ouais, ça serait pas mal des items dans Dokkan en vrai qui te font. Genre. Je sais pas, j'ai un truc avec moins 50% de défense plus 50% d'attaque. Bah, les items à malus, moi, ce serait. J'attends ça depuis longtemps, c'est parce que ça amène vraiment des. Ça amène des choix de gameplay qui peuvent être décisifs ouais, dans une run. Et il y a beaucoup de gens, ce serait intéressant de voir comment les gens les utilisent parce que souvent les gens ils disent le jeu il est trop facile, le jeu c'est vraiment super simple. Et puis tu leur donnes ce genre d'item, ils vont faire de la merde, ils vont dire full attack, j'y veux, et puis ils vont se faire one shot. Ils vont mettre des 500% d'attaque, moins 2000% de défense. Et après, tu vois, ils vont voir leur barre de. Leur barre de PV qui va faire paf. Comme tout à l'heure, j'étais sur Twitter, il y en a un, il me dit « Oui, mais Babi, il est pas bon. » Je dis « Pourquoi Babi, il est pas bon ?» Il me dit « Oui, mais tu sais, Babi, il fait pas beaucoup de dégâts. » Quoi Babi, sans doublon, pas... je fais du 2 millions 5 à oui, non, mais en plus. Hein. Donc, du coup, moi, j'ai pété un câble. j'ai été sur le SVR puissance max et j'ai pris Gohan LRIN. J'ai dit « Tu vas voir, il va tanker bah, !» bah. Je suis mort, évidemment, au premier coup, hein, parce que j'ai pas mis d'item, tu vois. J'ai un... vraiment, les gens ils sont matrixés par les dégâts dans ce jeu, je comprends pas pourquoi. Genre, je sais pas ce qu'ils ont avec les dégâts, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors, ce qu'ils ont avec les dégâts. Critique s'il te plaît, critique. Bon, on va tuer Trunks et Kairi intelligent, c'est normalement on a l'avantage type là. Oh la transformation de Broly qui va me faire perdre beaucoup de temps évidemment. Non, pas du tout. On a Super Saiyan, attention. C'est vrai, tu galères pas trop partir en spec le Broly. Bah, écoute, je pense que je vais perdre à cause du compteur Trunks Ikari, hein, clairement, je suis en mauvaise posture là. Mais ouais, il me tue. Hein. Est-ce qu'il dodge ou pas? Il est int, il a 5% d'esquive. J'ai même le temps d'admirer l'aspect de Broly, hein, qui je rappelle est aussi long que le film. Bah, c'est vrai qu'elle est super lente en fait. Voilà, 2 millions 7 dans la gueule sans crit. Le jeu fini, Boustache, tu es où? Tu es dans mon rétro. J'entends pas les rageux, attends. Oh. Ah, c'est normal, tu peux pas m'entendre, je suis trop loin pour toi. Voilà, en plus, j'ai battu mon record. En tout cas, les viewers, ils ont vu, pour ceux qui ont vu la première partie, hein, qui est dans la description, je le rappelle, que tu as perdu la première phase. Donc, je serai toi, je ne fanfaronnerai pas autant. Oui, mais t'as bien fanfaronné quand t'as gagné. Hein. Fanfaronné. T'as bien fanfaronné, ouais. Quand t'as gagné. Non. Fais pas le malin, parce que les gens qui font les malins, ils tombent dans les ravins. T'as galéré. Ça y est, aujourd'hui. En fait, ah, le mec, quoi. Il a galéré. Je pense vraiment, mentalement, je suis au bout, je crois, vraiment. Je sais même plus parler, je sais même plus faire la moindre expression. C'est bon. J'ai besoin de vacances. Le mec, ça fait 2 mois, il est en vacances. Bon. Je pense que c'est bon, hein. j'ai 2 phases à faire encore. Je pense qu'on peut te proclamer vainqueur. Voilà. De ce duel. C'est ça. Du coup, ça fera 1-1. Ça fera 1-1. Ça fera 1-1. Il faudra. On notera quand même les 2 fois il a eu Gohan LR. Je dis ça, je dis rien. J'aurais pu, mais j'ai pas vu Gohan LR cette fois-ci. Ça va la vie. Ouais, en vrai, c'était pas le meilleur choix. T'as dit tout à l'heure que c'était pas le meilleur choix. Non, j'ai fait une erreur. Clairement, non, j'ai fait une erreur.
Et grâce à Yann, je fais une erreur de jouer. Bon, du coup, ça fait 1-1. Ouais. On devra se départager par la suite. Mais, du coup, c'est le moment de rappeler que on a prévu d'en faire un par semaine. Et oui. Donc, la prochaine fois, je te déglingue. C'est acté. Je l'ai dit en vidéo, il y a les preuves. Il y a tout ce qu'il faut. Non plus, voilà quoi. Donc voilà. Un par semaine, parce qu'il n'y a pas assez de moustache sur la chaîne. Il n'y a pas assez dimanche. De sur sa chaîne. Dimanche, quelle heure, Kawaii? Je sais pas, on... dimanche. 18h. 18h, Kawaii. Okay, dimanche, bah, 18h. Dimanche, 18h, voilà, c'est acté. Dimanche, 18h. Bon. Chaque semaine sur la chaîne, il y aura. Bravo à toi, du coup. Merci. Bravo à toi aussi. Et puis ce petit duel, il m'a fait plaisir, écoute, et puis au plaisir de te stomper la semaine prochaine. Oui, on verra ça. La semaine prochaine, sur ce les gars, n'hésitez pas à consulter, je rappelle, le premier épisode que vous trouverez dans la description ou et dans le bouton ion à droite. Et sur ce, bah, c'est une agréable journée, on se retrouve pour de prochaines live vidéo. Ciao ciao.